Le Mexique est assiégé. Un complot pour empoisonner les esprits et les cœurs de nos citoyens et pour faire d'eux des fanatiques. Cette chimère, cette menace ne sera pas tolérée. Devenez une armée qui se bat au nom de Dieu, au nom de l'Église. Mais nous combattons avec honneur et dignité. À Washington, nous avons suivi de près votre guerre contre l'Église catholique. On ne peut pas tout à fait parler de guerre. Il y a un temps pour la paix, mais il y a un temps pour la guerre. Même si j'avais l'âge que tu as, il serait hors de question que je prenne les armes. Défendre des catholiques quand on n'a pas la foi. Je crois en la liberté religieuse. Le sort du Mexique est entre les mains de Dieu, entre vos mains, vous les Cristeros, et entre celles d'aucun autre. Nous allons connaître une des plus grandes batailles de notre lutte. Si on perd cette guerre... Nous ne perdrons pas cette guerre. Qu'est-ce que vous voulez? Devenir des Cristeros, mon général. Cristeros? Ouais. Nous allons faire comprendre à Keyes que la liberté, c'est nos vies. Et nous allons la défendre ou mourir en essayant. Vive le Christ roi! Vive le Christ roi!